Elle aura 18 ans, bien sûr, demain. What do you mean? Oh, when in God you had yes, but you wanna say no. What do you mean? Yeah, yes I, le capitaine El Capo, avec son fils. Influyamento, Moula Casa Pia, ça vient, inspiration, ça finit jamais. Enchaîné on the mix. C'est des Tempiers. Vraiment merci pour la qualité, n'est-ce pas, des invités. Je dis grand merci toujours en son nom à Mme Gay, à M. Bedi et bien sûr à mon épouse. Hein. Grâce à ces trois personnes, on a eu, n'est-ce pas, des meilleurs africains. Mon épouse a fait la sauce graine que vous venez de manger. Vous pouvez te lever. La sauce graine. Voilà, vous gagnez le chef qu'on continue de réclamer. Madame Gueye. Et mademoiselle Joël, sous couvert de M. Bedi, elle qui a fait la sauce claire et le piment. Et moi-même, j'ai fait le foufou qui vient après. Non, mais nous entendons s'il y a, juste pour elle, aussi, toujours une table de l'ICAM, ou non, un kick pour panier. Elle dit qu'elle est restée là, elle est restée par rien qualité, elle dit qu'elle est forte, ou elle s'est attaquée, pour lui dire à elle ça. Un spécial tag pour la famille, ça, pour Gueye, comme ça, là, ou Herr Bedi, comme ça, là, ou Vérité, mais il est mort. Avant de continuer mon propos, mon dernier remerciement va à l'endroit du père de Zoré, celui qui a financé tout ça. Et ma spécialité, Zoré Spa, son secrétaire. Un mot à propos de ma fille. Pour ceux qui l'ont connue depuis sa naissance, elle aura 18 ans bien sûr demain. Juste avant de finir le collège, elle avait un problème, elle ne se faisait pas confiance. Juste par rapport au cursus de son grand frère, qui, au lycée, était un brillant garçon. Donc, elle va voir sa mère. Elle va convaincre sa mère, n'est-ce pas, de ne pas faire le lycée. Parce que elle ne pense pas, n'est-ce pas, avoir le niveau requis. Elle ne pense pas faire comme son frère aîné. Bien sûr, elle a convaincu sa mère. Donc, la mère qui vient à Bordeaux de Lyon pour dire, bon, ben voilà, ta fille, elle veut aller en dixième. Je coupe court, je dis pas question. Il n'y a pas de dixième ici. Ben elle a qu'à étudier et puis bon, ben aller au lycée, je ne vais pas entendre parler de ça, point final, c'est tout. Oui. Donc voilà, on a coupé court. Je dis, bon, il te reste encore du temps, il faut bosser. Et puis effectivement, ben, elle s'est mise au travail. Et elle a réussi, n'est-ce pas, à aller au lycée. Mais tout ce petit discours pour vous dire que depuis qu'elle est au lycée, ses notes en matière scientifique
comparativement aux notes de son grand frère, mais elle est largement au-dessus de son grand frère. En tout cas, je peux vous dire finalement que, bien sûr que je suis fier d'elle, hein, sa mère également. Ben, bien sûr. Elle n'a pas volé. Nous sommes fiers d'elle. Bon, la vie de femme, hein, on n'y peut rien. Voilà, on n'y peut rien. Alors, je me faisais une idée. Attends, mais un garçon va venir dormir ici, là, chez moi. Chez moi, ici. Moi, il faut que je dorme, parce que ça, je... Ou bien, laisser ma fille sortir à 1h du matin. Non, non, il faut que je dorme. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que ce garçon, il est venu ou il n'est pas venu? Mais toujours est-il que ça l'a un peu libéré. Voilà, ça l'a un peu libéré. Et puis, voilà, elle est venue une fois, elle dit, bon, mais attends, il y a Rasmus qui veut te saluer. Il dit, c'est qui Rasmus? Mais c'est qui Rasmus? Donc, Rasmus était, bon, derrière la porte là. Hein. Elle dit, mais c'est qui Rasmus? Alors, Rasmus, il est venu, hein. Un immense gars, elle est venue. Salut là, tu as vu, mais 2,5 mètres. Rasmus, il va venir tout à l'heure. Bon, ben, mais j'ai dit, bon, ben, bien sûr que je te fais confiance, tu sais où tu vas. Moi, mon objectif, c'est ton école, ça se passe bien. Je me rappelle que la dernière fois, on fêtait les 18 ans du garçon, il a demandé un grand lit. Et la fille, elle a demandé quoi cette fois-ci? Bon. Oui, je me rappelle effectivement que le garçon, il a demandé un lit. Et c'est devant où je lui ai demandé, mais qu'est-ce qu'il voulait en faire du lit? Parce que moi, j'étais à côté avec un grand lit. Qu'est-ce qu'il voulait faire dans la chambre à côté avec un grand lit? Il n'a pas répondu. Donc, je voulais conclure juste pour dire que bon, ben, nous sommes bien. Bon appétit, que la fête soit belle. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, MP. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, MP. Nous avons ce sec, nous haïs, taillis d'ansic, nous tournons à le coq au mur, et à l'énergie, le camion sur le coq. Tout le monde.
on all the snake and crack on more cocaine. This is called the second, give me, call me, yeah, give me your pain. Not the drill sergeant, but the shrink's been waiting.